Salut à tous, c'est Noé, bienvenue pour un nouveau jeu gratuit qui s'appelle Note of Obsession. Voilà, petit jeu d'horreur, logiquement. On va lancer, je ne connais pas trop ce qui se passe. C'est pas français ma phrase. Je sais juste qu'il y a une histoire de boîte à musique, voilà. Voilà. Et le jeu est relativement beau, écoutez. Dis donc, c'est une bonne surprise. Il est assez beau, on a une télé de what? Truc de fou quoi. C'est assez joli, écoutez. J'aimerais fort habiter dans un appartement comme ça, hein, n'est-ce pas? non, pas toi, non, ok, très bien. C'est assez joli. Oh. Eh, mais c'est pas les... On dirait trop les personnages qu'on met sur les gâteaux de mariage. Cette image représente le divorce. Voilà. Ça doit être ça. Nous avons un petit portrait des familles. Des familles. C'est fermé. C'est fermé. Oh. Je veux ça. Et allô? Et je veux bien ça. Plutôt qu'une boîte à musique à la con. Je préférais ça, moi. Je suis où, là? Ah, dans la chambre. Par contre, le jeu est beau, mais la pluie, ils savent toujours pas comment on fait. Hein. Ça doit être très compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette langue? Tout à fait étrange. Putain, mais je peux rentrer nulle part. Alors, je sais pas trop ce qu'il faut faire, du coup. Belle cuisine, ma foi. Ah, j'ai fait le tour. C'est la pièce où on m'empêchait d'aller. On entend une boîte à musique, je ne peux pas courir. C'est embêtant. Aurais-toi un enfant du coup? Je ne suis point d'accord. Je n'aime point les enfants. Les enfants. Donc, ça suffit les portes ici là. Le trollage des portes. Ah! J'ai coincé la porte je crois. Merde. Non, c'est bon, tout va bien. Ah, j'ai trouvé la boîte à mumu, la boîte à musique. J'ai une main très rose, je trouve. Très saumonée. C'est quoi ça? Je ne peux pas bouger, parce que c'est le titre du jeu. Toggle. Toggle. All the... Ah, je peux pas bouger, parce que c'est l'air. All the left. Tuto, attention. Presse E. Pour interagir avec le symbole. C'est quoi ça? Oh merde, je peux bouger! Ah non, c'est pas cool en fait. Finalement, je veux pas. Bonjour. Attendez, je vais troller le jeu. Y'a rien! J'y a rien, je t'ai eu! Je t'ai eu. Haha, c'était toi. Mais bon, du coup, j'ai peut-être un peu... un peu gâché l'anime, je suis désolé. Ah, j'ai recoincé la porte ou... Ouais, d'accord. Wow. Je suis rentré dans cette pièce de manière... Bah attendez, mais je suis dans le placard. The fuck. Oui. Je t'ai vu bouger, hein. Fais pas genre. Regardez cette tête démoniaque. Trop souriante pour être vraie. Ah, je crois qu'il faut que je cherche des symboles. Ouais, c'est ça. Jeu de simulation de symboles. Bon, enfin, deuxième. Ah, par là. Bah, ça va. Le jeu m'indique où il faut que j'aille. Il est gentil. Et non, tu ne m'as point eu. Cool, la télé, ça marche plus, ça. C'est démodé. Voyons. Yeah. Je m'engouffre tel... Je sais pas quoi. Eh ben... Il y a un petit souci, là. Ah, je crois qu'il y a un petit problème d'humidité, ici. J'aimerais bien sortir, s'il vous plaît. Allô? Non, finalement, je suis bien ici. J'aime bien mon placard.
Est-ce que je peux me crouch? Oui, je peux me crouch. Non, 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 non. Oh. Ça va péter l'ampoule. Ah, attendez, je suis coincé par les cintres. Et là, ça va être ouvert, évidemment. Oh putain, j'ai pas envie de sortir, c'est terrifiant. On ouvre et on voit que l'œil de cet énorme éléphant. Non, c'était pas cool. Ouais, j'ai compris que je pouvais me crouch. Crouch. T'es pas beau, toi, je t'aime pas. Ah, il y a des symboles à trouver. Ah, il y en a un là. Il y en a un là, je l'ai vu. Ok, j'en ai eu un. Leklada. Parce que c'est le nom de mon gosse. C'est étrange hein, comme nom quand même. Faut que je passe par là, je suppose. Ah, il y en a un là. Attendez, je suis coincé. Manque un symbole, non, ouais. Ouais. Ça a pas l'air d'être par ici, hein. Où il est le dernier symbole? Ah, j'ai entendu un petit bruit, mais très faiblement. Ah merde, il est où ce symbole? J'entends, mais c'est très faible. Ah, il est là, il est là. Ok. Bah, non, c'est pas bon. Attendez. Non, je peux cliquer dessus. Bon, enfin. Dis donc. Suffit, oui. Ok, de retour dans le placard. Les meubles sont barrés. Il fait jour, non? Ah non, ah non. Non, non. Ah, ça doit être genre avant le déménagement ou... Je sais pas. Y a plus de bruit d'un coup. J'aime pas trop ça. Ça fait 7 minutes que je joue, je suis quand même... Je suis toujours enfermé dans cette même pièce, hein, n'empêche. Ah, il est là. Je t'ai vu. Tiens-lui, tu. Qu'est-ce qui se passe? Faut peut-être vite que je sorte, en fait, non? Alors, mon perso est une femelle et elle se marre toute seule alors qu'elle a peur. On dirait moi un peu. Ok, j'ai cru que le jeu était déjà fini. On a toujours la boîte à musique. Et nous avons changé de pièce, enfin. Très bien. Oh, très bien. Où dois-je aller? Ah. Là. Bon, ça change comme gameplay, c'est original. Ah, il faut... Ah, d'accord, il faut que j'en trouve 4, regardez. Ils sont là. Ça change un petit peu, écoutez. C'est sympatoche. Bon, à part que je sens que je vais mettre un moment les tous et trouver. Ah, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Hop là. De toute façon, je ne peux pas courir, donc je pense pas que ça soit un truc de rapidité ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Il y a la musique, tu te calmes. Il n'y a pas de symbole là?
C'était quoi ça? Ah, c'est un rideau. Est-ce que je suis en train d'appeler les forces obscures avec ma musique? Ah merde, j'ai fait le tour. Je l'entends, mais très légèrement. Ah ouais, d'accord. Ok. En fait, les lumières... C'était quoi ce putain de bruit? Ah mais c'est toi qui as tourné la tête? Ah non, c'est toi! Ça m'a... Oh, je me suis chié dessus, mais j'avais même pas vu ce qui s'était passé en plus. Non, non, c'est calme. Restons attentifs. En fait, les lumières clignotent quand il y a un symbole pas loin. Ah, peut-être là-bas, non? Ça clignotait, non? Attendez, on réessaye. Non. Mais je peux peut-être remonter, en fait. Je suis pas remonté. Toujours pas. Elle clignote, hein. Je veux pas dire, mais elle clignote. Non? Merde alors. C'est quoi ce bruit? Oh, ça va, je vais vite trouver ça relou, je pense. Putain, mais je l'entends, mais... Ah, il est là. Ah, c'est le mec sans jambes. Il retourne autour du buffet. Oh. Il a disparu? Il est où? Je reste accroupi, je suis bien accroupi en fait. Je me suis chié dessus en entendant son bruit quoi. Je sais pas où il est. Très bien. Bon, ça reclignote par là, vers les persos là. Non? Mais y'a rien. Vous voyez, ça clignote. Putain, j'ai les boules de recroiser l'autre machin là. Est-ce qu'il est aussi menaçant que... Ah ouais, j'en ai encore. 1, 2, 3, encore 3 symboles à trouver. Est-ce qu'il est aussi menaçant qu'il en a l'air, étant donné qu'il a pas de jambes? Il doit pas être bien vif, du coup. J'entends un symbole pas loin, mais alors où? Aïe, là. Non, mais... Grrr. Il va se passer une connerie, là. J'active un symbole. Non. Pas de connerie. Point de connerie à l'horizon. Ok, il m'en manque plus que deux. Toujours fermé ça. Écoutons bien. Ça doit pas être dans cette pièce. Ouais, c'est dans celle-là. Ah mais coupez ce son de jeu, après j'entends plus les symboles apparaître. Coupez ce son d'ambiance. Mais ils le font exprès, hein, c'est pas possible. Peut-être que je remonte, hein. J'ai pas remonté encore. Putain, ça fout les boules. Ah non, me dites pas qu'il faut tout que je recommence, hein. Non, c'est bon, c'est bon. Je vous avouerais que là, s'il fallait toujours recommencer, j'aurais sûrement arrêté, je pense. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi il m'a attrapé, en fait. Enfin, pourquoi? Pourquoi? Pour violer mon cadavre. Mais comment, en fait?
plutôt. Je vais essayer de remonter cette fois. Ah, pourquoi là, d'un coup, il a réussi à m'attraper? J'ai pas bien compris. On va essayer par là. Non. On va essayer par là. Ah. Ça a l'air d'être par là. Ouais. Yip. Mais je peux pas courir, du coup je fais quoi? C'est un peu emmerdant comme situation là. On va se cacher. Il fait des bruits dégueulasses quoi. Il va me trouver direct. Ouais. Ouais. Bon, je crois qu'il me manque plus qu'un symbole de toute manière. Ouais, il manque plus qu'un. Mais je comprends pas, vu que je peux pas courir. Et me cacher, ouais, pas tellement quand même, hein. Un petit peu, mais. Bon, je suppose que le dernier symbole est dans la chambre. Ce serait assez logique. Peut-être que c'est la boîte à musique, au bout d'un moment ça l'appelle, non? Je sais pas du tout. Ah, y'en a un là! Il va monter là, non? Eh, mais je peux pas courir! Moi j'y dis, je me tire, c'est une bonne idée, non? Je suis genre hyper lente, c'est abusé quoi. Ah bah non, ah oui, d'accord! Je vais pouvoir tuer la bête! Oh! Tuer la bête! Derrière quoi. Ah mais c'était le gosse en fait, regardez le tableau. La bébête c'était le gosse. Et nous on est la mère en fait. Je crois que c'est ça hein, parce qu'on avait vu une bague à la main de la femme. Bon bah voilà, c'était un petit jeu assez court. Je suis quand même morte deux fois. Et là, on revient au menu, je crois. Bon bah écoutez, c'était pas trop mal. Bon, il y avait pas grand chose, mais bon. Et ouais, ça manquait un peu de contenu, parce qu'à part les deux portes qui m'ont fait peur au début, et si ouais, la tête du mannequin qui a bougé, sinon bon, ça manquait un petit peu de contenu. Mais c'est pas mal. Le jeu était, ma foi, pas moche. Et non, c'est bien, c'est sympa, voilà. On va dire que ce jeu était sympa. On va lui mettre une note de 3 sur 5. Et c'est pas mal, 3 sur 5. Et franchement, hein, 3 moignons sur 5. Voilà. Non, mais c'était pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des petits jeux de comme celui-là, si vous avez des idées. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la suite de nos aventures. Bye bye!